Bonsoir, bonjour, salam, shalom, alaikum, mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Si vous êtes là et en train de regarder cette vidéo, alors vous avez un problème avec votre smartphone. Je répète, ça concerne uniquement les smartphones, pas d'iPhone. Si vous êtes là, c'est-à-dire que vous avez votre appareil, vous venez d'insérer la carte SIM et bon, vous avez le réseau Internet 4G, 3G. Mais vous n'arrivez pas à surfer. Soit vous avez Internet sur l'appareil, mais quand vous faites le partage, ça ne marche pas. Sur l'ordi, c'est marqué connexion inexistante ou limitée. Je vais vous montrer une manipulation avec un code. Mais attention, ce code ne marche pas sur tous les appareils Android. Je suis en train de filmer cette vidéo avec Samsung J5 et ce code ne marche pas pour accéder dans le menu que je vais vous montrer dans quelques minutes, quelques secondes. Mais j'ai vu ce menu-là il y a un an environ, soit en faisant un autre code, soit en installant une application administrateur. Mais je me souviens très bien que sur ce téléphone-là, j'étais dans ce menu-là, mais je ne savais pas pourquoi, à quoi ça servait. Maintenant, pourquoi j'en parle? J'ai un autre opérateur que je viens d'acheter. J'ai mis la carte SIM dans ce téléphone-là. Et vous savez quoi? J'ai Internet ici, mais dès que je fais le partage sur l'ordi, ça ne marche pas. Et en cherchant sur Internet, je trouvais un truc là. Mais faites attention, avant de faire ça, que je vais vous montrer maintenant. Prenez une feuille libre, un stylo ou un appareil photo ou un autre téléphone. Vous serez obligé de prendre le menu que vous allez voir, les paramètres en photo, pour en cas de problème, vous puissiez manuellement revenir au niveau de paramétrage par défaut. Faites attention. Si ce code-là ne marche pas sur votre appareil, cherchez sur Internet le code approprié pour votre machine. Moi, je ne pourrai pas vous aider sur ce sujet-là. Vous savez pourquoi? Admettons, je vais vous montrer que le code que je vous présentais marche sur mon téléphone. Mais votre code, même si je trouve soi-disant pour votre appareil, ne marchera pas sur mon appareil. Et je ne pourrai pas vous dire si c'est vraiment un bon code ou non. Quoi qu'il en soit, faites attention à cette manipulation. Je vais vous montrer comment ça marche. Ça sera vous utile et pour votre appareil, si vous n'avez pas d'internet, et pour le partage. Au cas où, si vous avez l'internet sur le téléphone, mais vous n'arrivez pas à partager le réseau avec votre ordinateur PC ou portable. Regardons ensemble et faites attention avec tout ça. Je vous rappelle encore une fois. Marquez sur le papier les paramétrages que vous verrez dans votre menu. Et vous ne touchez que l'option que je vais vous montrer. Like, dislike ou KO. Prenez soin de vous. Alors, j'espère que cette vidéo sera assez claire. Regardez, ici, j'ai pas de connexion. Le réseau s'appelle on partage 2G. Voilà, je vais actualiser la page. Aucun accès. Regardez cette manipulation, mais attention. Je veux prouver que j'ai Internet, vous voyez, sur le téléphone, j'ai le réseau. Admettons recherche Google. Voilà, le téléphone, ça fonctionne. D'accord? Maintenant, je vais partager la connexion. Plus, partage de connexion, Wi-Fi activé. Hop là, et on voit rien. OK. Connexion, pas d'accès. Vous voyez? Et je vais actualiser. J'ai toujours rien.
Voyons ensemble comment le faire. Vous cliquez sur Appel. Vous faites étoile, dièse, étoile, dièse, 46, 36, dièse, étoile. Cette page-là, tout ce que vous voyez ici, prenez en photo. Ou marquez sur le papier libre ce que vous voyez. Définir le type de réseau préféré. Vous cliquez uniquement sur cette option. LTE. Jamais laisser LTE tout seul. LTE tout seul, votre téléphone se transformera uniquement en base de données, réception et envoi. Internet, vous ne pourrez pas ni de recevoir, ni émettre des appels. Je vous conseille fortement d'activer cette option. WCDMA, Preferred. Et on sort de ce menu. On touche rien d'autre. On sort. Maintenant, voyons. On est connecté, n'est-ce pas? On actualise la page et boum, Internet fonctionne. Vous faites plus rien du tout. Et je vais contrôler maintenant si mon Internet fonctionne sur le téléphone. Et oui, voilà, mon appareil est opérationnel. J'espère que vous avez bien compris comment le faire. Faites extrêmement attention avec cette manipulation. Merci beaucoup de votre attention. Like, dislike, abonnez-vous ou désabonnez-vous et prenez soin de vous.